Ce mercredi 19 avril, Guillaume Lauvergnat, connu des téléspectateurs pour sa participation à la précédente saison de L'Amour est dans le Pré, a partagé son émotion face au courrier d'une fan en story sur son compte Instagram. Une lettre bouleversante. Guillaume Lauvergnat a été découvert par les téléspectateurs dans la 17e saison de L'Amour est dans le Pré présentée par Karine Lemarchand. L'agriculteur a rencontré pendant l'émission Tom, dont il est rapidement tombé amoureux et avec lequel il vit toujours une sublime histoire d'amour. Cependant, le 13 avril dernier, il a annoncé une terrible nouvelle à sa communauté sur sa story Instagram, sa ferme pédagogique a été victime d'un incendie incroyable. Heureusement, ces animaux n'ont pas été touchés par les flammes, mais deux bâtiments de stockage ont été extrêmement endommagés. Et dans son message, il a tenu à remercier toutes les personnes qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre à surmonter ce drame. Merci aux visiteurs qui nous ont porté secours, qui nous ont aidés à sortir les animaux, à pousser les tracteurs, quel élan de solidarité. Merci aux pompiers qui sont nos héros du quotidien. Merci à nos voisins qui sont venus sortir le foin en feu. Merci à vous tous, a-t-il partagé. Une lettre totalement bouleversante. Guillaume Lauvergnat a accepté de raconter les événements à Télé Loisirs quelques jours après le drame. Moi, j'étais à la billetterie à ce moment-là et Tom était à la boutique. On était ouvert depuis une demi-heure. Si est-il lui qui a vu de la fumée derrière un des bâtiments situés de l'autre côté de notre petite route. Sur place, on a fait face à des murs de flammes de plus de 5 mètres. La priorité, ça a été d'évacuer tous les animaux. On a formé une chaîne humaine avec les visiteurs pour guider les animaux, moutons, alpagas, vaches, veaux, jusqu'au champ situé juste en face, a-t-il confié. L'agriculteur continue malgré ce terrible accident de partager à ses abonnés sur son compte Instagram son quotidien et celui de son compagnon dans la ferme pédagogique. Et ce mercredi 19 avril, il a dévoilé le contenu d'une lettre bouleversante envoyée par une fan qui leur avait rendu visite quelques jours auparavant. Nous avons adoré votre domaine et son parcours, son organisation. Nous avons juré de revenir avec d'autres amis pour leur faire découvrir, a-t-elle écrit. Il y a vraiment des courriers qui réchauffent le cœur et ce n'est pas tout. En effet, elle a décidé de leur faire parvenir une aide financière pour pouvoir les aider pendant cette période difficile. Afin de pouvoir vous aider, car des amis des animaux, et vous trouvant tellement engagés dans votre amour des animaux et très certainement du vôtre, que nous vous faisons parvenir un petit chèque. Sachant que les indemnités des assurances ne rembourseront pas tout et qu'en attendant, il faut quand même acheter du foin, le stocker, a-t-elle continué dans sa lettre. Cette tendre attention a totalement bouleversé Guillaume Lauvergnat qui a tenu à réagir. Il y a vraiment des courriers qui réchauffent le cœur et qui mettent la larme à l'œil et le sourire aux lèvres, l'a-t-il alors remercié. À lire aussi nous avons vécu 12 mois passionnément, Guillaume Lauvergnat, L'Amour est dans le Pré, fait une sublime déclaration à Tom pour l'anniversaire de leur rencontre.